Salut à tous les amis, alors on se retrouve aujourd'hui en compagnie de Nono Live. Comment vas-tu mon Nono? Bah ça roule et toi? Bah ça va très bien, et pourquoi on se retrouve? Alors... Eh ben je vais te le dire. J'espère bien. Donc mes chers amis, comme vous le voyez, on se retrouve aujourd'hui pour le test flash de F1 Race Star. C'est un, on va dire, un petit Mario Kart like qu'on a trouvé gratuitement sur le PSN, puisqu'il était... comme on l'a en PSN Plus, il a été gratuit. Il était gratuit, sinon il est 35€. Voilà, donc on va faire comme d'habitude, un été de présentation habituelle. Hein. Ça a été édité et développé par Codemasters, qui à mon grand étonnement existe encore, parce que ça fait quand même des années que j'avais pas vu de jeu édité et développé par Codemasters. Un Codemaster, c'est l'enfance quand même. Ah, mais enfin, c'est notre à enfance. Fond, hein. À fond, voilà. Donc c'est un type de jeu, comme type de jeu, c'est un jeu de voiture hein, à la Mario Kart. C'est sorti le 14 novembre 2012 sur PS3, 360, PC et Wii U. Et c'est pour tout le monde, hein, parce que c'est un jeu de voiture et c'est un enfantin. Donc c'est un jeu de Formule 1, on va dire, allez, avec des vrais circuits améliorés, déformés, revisités. Et des... Par contre, les pilotes, ce sont les vrais. Hein, ce sont les vrais pilotes, ouais. Donc on va prendre un circuit, voilà, alors ça, voilà. La puissance de la voiture, comme dans Mario Kart. La difficulté, hein. En gros. Voilà, on reprend au plus bas, parce que nous, on est mauvais. Hein. Ouais, puis on n'a pas envie de se prendre la tête, surtout. Choisir une épreuve. Ouais, bah c'est ça, ouais, c'est bon. Bon, ça va être rapide, hein, les amis. C'est juste pour montrer comment il est le jeu. Hein. Voilà, donc là, c'est tous les pilotes. Il y en a quand même pas mal. Hein. Bah, il y a les 18 pilotes de la saison, plus 4 pilotes qui ont strictement rien à voir. Voilà, 18 6, 12. Non, plus. 22, 24. Ouais, bref. Voilà, enfin, en gros, il y en a 4 qui ne sont pas réels. Voilà. C'est 4 derniers. Il y a 3 femmes, hein, c'est pour. L'égalité des sexes, comme on dira. Ah. 3 voilà. Femmes sur 24 pilotes, ça me semble normal. C'est les cochons, c'est les cochons, c'est les cochons. Elles tournent, elles sont en train de tourner, c'est elles ça. Tournent. Donc on va prendre qui? Bah tiens, on va prendre Felipe Massa, jeune. Alors ça, je pense que c'est la difficulté. Boîte à outils, Royal ou Star. Donc on va prendre boîte à outils, hein. Non, histoire de. Voilà. Parce qu'on n'a pas tout compris, hein. Faut pas nous en vouloir, mais. Non, on a testé un peu hier et puis là, on s'est dit, bah tiens, on va faire un petit test flash sur ce parce jeu. Parce qu'on pensait que ça serait une grosse merde, hein, ce jeu. On exactement. Dit clairement, on pensait que c'était de la daube. Et en fait, bah hier, on l'a essayé et non. Il est pas mal. Il est pas mal, c'est mignon, c'est enfantin, voilà. C'est pas le jeu de l'année, hein, clairement. Ouais, mais... il y a des décors qui apparaissent au fur et à mesure. Hein. C'est un jeu arcade, hein, ça se voit hein, quand même. Ah hein, oui, oui. À fond, donc là c'est la présentation des pilotes. Mais il y a. Enfin, comme dans tout Mario Kart Lite, il y a les power-up, enfin tout ce qu'il faut quoi. Les missiles auto-guidés, les boosts au départ. Que j'ai pas réussi. Que t'as pas réussi. Les aspirations. Les aspirations, ouais, ça va être pas mal. Mais même la musique fait penser à Mario. Le petit boost, alors voilà, il y a des zones bleues sur les pailles, sur les pistes, et ça nous permet de remplir une petite jauge de boost en alternant accélération et relâchement de l'accélération. Et après, dès qu'on sort de la zone bleue, et ben ça nous balance un méga boost. Exactement. Voilà, donc, là il y a les bonus habituels hein, d'un Mario Kart Lite, hein, le boost. Encore un autre boost. Les missiles autoguidés, les bulles d'air à lâcher derrière soi comme les pots de banane. Ça fait des mines, ouais, voilà. Et enfin, le gros truc, c'est la voiture de sécurité comme on vient d'avoir. Voilà, là, ce qu'on vient de voir, c'est la voiture de sécurité, ça ralentit le premier joueur. Voilà, donc celui qui est le premier sur la piste, et ben, ça va le ralentir. Donc là, c'est une course bateau. Hein. Voilà, il y a des obstacles à éviter. Bon, c'est, je sais pas si les amateurs de Formule 1 reconnaissent ce circuit sur les passages réels. Mais oui, il y a 2-3 parcelles du circuit qui sont vraiment réelles. Hein. Hier, on a fait le circuit de Spa. Et moi, qui m'intéresse à la Formule 1, bah, il y a le virage qui est en montée. Et ben, on le reconnaît super bien. Oula. Ouais. Ah, c'est bon. Ça aurait été mis derrière. Oui, donc les circuits sont bien retranscrits, entre guillemets, on va dire. Hein. Mais sinon, on voit que c'est un jeu purement arcade. Hein. Ça s'éclate, c'est marrant. À plusieurs, en ligne, ça doit être vraiment marrant. Parce que tout seul. Ce qu'il y a de bien, c'est que ça rappelle les Mario sur N64 et compagnie. Parce que tu peux jouer à 4 c'est ça. En splitté. Ouais. Là, c'est bien, on peut jouer à 4. Mais entre potes, bah, franchement, ça passe bien. Ça passe bien. Ça vaut pas Mario, ça vaut pas Sonic, enfin Sega All-Star Racing. Du tout.
Mais tu passes un bon moment, quoi. C'est une grosse surprise pour nous. Ouais, mais on s'éclate. Il est marrant, hein, on se prend pas la tête. On pensait vraiment que ce serait de la dope, mais en fait, non, c'est une bonne ouais. surprise. Bon, par contre, on a le circuit, entre guillemets, la progression de notre personnage. Sur la droite, c'est une ligne droite. Voilà, mais il n'y a pas de circuit. Il n'y a pas les courbes, on peut pas, comment dire, anticiper la trajectoire. Donc, c'est pas à l'aveugle, mais bon. Après, les circuits, je suis sûr, ils doivent se connaître facilement parce que oui, c'est pas compliqué quand même. Non, ils sont pas longs. Voilà. D'ailleurs, tu viens de passer devant les stands, on peut passer au stand. Oui. Pour réparer son kart. Les voitures s'allument, regardez, là j'ai des petites étincelles sur mon moteur. Voilà. Et la voiture est allumée. Donc ça ralentit la voiture, je pense. Hein. On est beaucoup moins rapide. Là j'ai un nuage sur la face, c'est un peu chiant. Ouais, je suis beaucoup plus lent que d'habitude. Ouais, bien sûr. Puis tu roules sous la pluie, de toute façon. Voilà. Donc, et voilà, donc ça c'est un pouvoir aussi, le nuage de pluie. C'est les intempéries. Tu sais que je suis même pas sûr que ce soit un pouvoir. Je pense que c'est pas le changement de... De temps. Ouais. Bah, ça m'étonne. C'est bizarre quand même, hein, parce que... Il y en a peut-être un qui est pas touché par ça. Ah, alors voilà, un autre pouvoir. La téléportation d'un joueur qui était derrière, il se passe devant. Ah, mais ça va. Hop là. Mais c'est une gonzesse en plus. Ouais, donc fais voir les stands, voilà. Donc voilà, donc là, voilà, on passe là-dedans. On passe au stand, ça répare le kart. Voilà. Enfin, la farm est là. Voilà, elle fait plus d'étincelles. Et c'est reparti. Donc vous avez vu, là c'est un circuit sur deux tours. Et je vais perdre, je vais pas perdre. Ouais. Oh non. Dommage. Je l'ai loupé. Oula, oh, ah non, je me la prends. Je me prends ma propre boule. Joué. Ah mais non, alors là, franchement. Qu'est-ce que je veux Boule à lâcher l'arrière. Devant. Ouais. Oups, bah oui, bah oui, bah oui, tu te l'es pris. Voilà, donc ça c'est sûrement un. Merci pour le trophée. Regarde, tu vois le nuage. Ah oui, non, bien joué, donc c'est un power up. Ouais. C'est un power up et lui il voit la piste. Et c'est moi qui me le prends, cette fois-ci. J'ai esquivé la petite merde qu'il a balancé parce que c'est un peu dangereux. Et un raccourci à droite. Ouais. Mais les décors sont mignons. Voilà. Mais j'ai vu un raccourci, on peut prendre des raccourcis. Hein. Y a des mais déjà hier on en a vu un exact. Non, on en a plus aucun pour l'instant. Ouais, non. Voilà, un petit boost, un petit peu pour avancer. Et c'est le Kers, hein, pour les amateurs de F1, le boost sur les trucs bleus, c'est le Kers. Voilà. En gros. Et je vais perdre juste à la fin. Ouais, non. Voilà. Bon, faut aller vite hein, pour le Kers, hein, parce que. Oh non! Ouf! Il y a carrément les stands. Je suis un godin. On a remarqué que les stands, ça pouvait être un raccourci des fois. Bon, là, pas. Hein. Mais ça peut être un raccourci. Oui, mais. Après, il y a des raccourcis. On les voit au dernier moment, hein, sérieusement, les raccourcis. Ouais, mais de toute façon, faut connaître la piste par cœur. Ouais, Oula! Qu'est-ce que c'est là, toi? Ouais, dérèglement de mon écran. C'était beau. Voilà, c'est un peu heureux. Mais une belle course, magnifique. J'ai un peu roulé dans l'air, mais bon, c'est pas grave. Ouais, quoi. Mais c'est pas grave, on va tomber. Non, mais tout ça pour vous dire, vous avez vu, hein, c'est plaisant. C'est pas le meilleur jeu de cartes du monde. Hein, ah mais... non. Non, mais il y a moyen de passer un bon moment. Pour... Surtout pour les abonnés PSN Plus, les gratos, donc n'hésitez pas. Ah mais oui, c'est vous pouvez tester, hein, c'est gratuit, donc vous avez rien à perdre. Hein. Après, pour les autres, 35€, ça fait cher. Ah, il coûte 35€. Ouais, c'est 35€ sinon. Ah ouais, d'accord. Ouais, 35€ ça fait cher. Mais je sais même pas si c'est un jeu arcade ou si c'est un vrai jeu qui est vendu en boîte. Il est sorti en galette. Ah bah il est en galette. Il alors. Est en galette. Donc c'est un jeu galette. Ouais. Donc moi j'aurais pas payé 35€ pour un jeu galette. Moi non plus. Donc voilà, donc les amis, si vous êtes PSN Plus, n'hésitez pas. N'hésitez pas. C'est marrant, hein, on se marre bien. Si vous pouvez le tester chez un pote, tout ça, franchement. Voilà, on joue en écran splité à 4 joueurs, c'est pas mal aussi. Bah à l'ancienne quoi. Hein. À l'ancienne, donc. Bon, faut avoir la télé qui va avec. Oui, c'est vrai. Oui. Bon, on a pas une petite télé non plus, mais bon. Déjà que quand on galère à jouer à Call of en écran splité, Donc voilà, les amis, on peut pas vous dire grand chose, hein, sauf qu'il y a des contrôles à montre aussi. Mon espace après, c'est quoi? C'est les stats. Voilà, stats, on peut acheter, magasin, on peut acheter des trucs sur le bannière. PSN. La bannière, c'est quand tu joues en ligne. Les paramètres, bah, c'est les options, voilà, les manettes, et tout, l'audio, vidéo. Et puis voilà, hein. C'est un jeu bateau. Hein, Tiens, fais voir la carrière, le nombre de choses qu'il y a à faire. Donc voilà, n'importe quel pilote. Alors voilà, on a fait le premier championnat, on a gagné 3 trophées. Et il y en a 90 à gagner. Alors. C'est dans quoi, je sais plus. Fais commencer, juste pour voir. Ça va dans commencer. Voilà, c'est là. Voilà. Alors voilà tout ce qu'il y a.
Donc au fur et à mesure qu'on gagne des trophées, on peut débloquer d'autres courses. Et après, regardez, là, il demande 12 trophées pour les deux, là. Et au fur et à mesure qu'on avance, eh ben, ça devient plus exigeant. Enfin, en gros, il y a 90 courses à faire. Voilà. En gros, il y a 90 courses à faire et c'est... Et c'est pas que des courses. Il y a des courses contre la montre, il y a des courses normales comme j'ai fait tout à l'heure. Des courses défis, enfin... Il y a des courses défis, voilà. Donc, il y a moyen de bien s'amuser, hein. Mais... Ne craquez pas 35 euros si vous n'avez pas le PSN Plus. Non, ça vaut pas le coup non plus. Mais moi ce jeu, je mettrais quoi, 13, 14. Ouais, voilà, parce que tu passes un bon moment, mais voilà, c'est pas le jeu de l'année et ça vaut pas 35 euros non plus. Ça vaut pas Mario Kart et Sonic. Ouais, quitte à mettre 35 euros, mettez les en Sonic. Voilà, y a pas photo. Vous mettez 5 euros de plus, vous l'avez à 40 et là vous avez. Entre les deux, c'est Sonic, hein, les gens. Ah bah largement. Donc voilà les enfants. Bon bah voilà les gars, on va s'arrêter là. C'était juste pour vous présenter le jeu, se faire un test flash dessus. Et puis voilà. Bah on espère vous retrouver une prochaine fois. D'ailleurs notre prochain test, ça sera sur Siphon Fighter. On vous le sortira, on l'a déjà tourné, on l'a déjà fait. Mais on le sortira dans une semaine et demie à voilà, peu près. Voilà, on va essayer d'alterner un test rétro, un test récent pour pas vous ennuyer tout le temps avec des tests rétro à la suite. Ou des tests récents à la suite, voilà. Donc on essaye d'alterner, de faire le mieux possible. Donc voilà. Bah on vous fait plein de bisous les gars, les enfants, les loulous, puis on espère vous retrouver une prochaine fois. N'oubliez pas le pouce bleu, les j'aime, les commentaires, tout ce que vous voulez. Ciao ciao. Ciao.